Allô? Bonsoir, ça Sandra. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir frère Georges. Ça Ouais, ça va par la grâce de Dieu et toi. Amen, amen, très bien. Par la grâce de Dieu, ça va. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Oui, c'est Frère Sébastien. Je voulais aborder un sujet, une question en fait. On est dessus, pas fait. Vous m'entendez là? Oui, là, on te suit là. D'accord. Oui. Oui, en fait, depuis quelques temps, en fait, enfin, ça fait longtemps, mais davantage, il y a un sujet, en fait, qui vraiment aussi où j'essaie de vraiment aussi m'édifier, que Dieu m'éclaire davantage sur le sujet de l'Église. Et aussi, l'aide du Seigneur, en fait, elle peut permettre aussi par rapport aux enseignements et aussi également avec frère Alain, frère Georges, en fait, qui ont pu, par la grâce de Dieu aussi, enfin les autres, je sais pas, mais qui ont partagé le petit, le livret, en fait, sur l'Église, en fait, le thème Église. Et je sais, en fait, en partageant aussi, effectivement, avec d'autres frères et sœurs, si on peut considérer, par exemple, je vais prendre un exemple. Aussi un ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres, ta charité, ton service, ta foi, ta patience. Je sais bien que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières, mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu laisses cette femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et égarer mes esclaves pour qu'ils se prostituent et qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se répente de sa relation sexuelle illicite, mais elle ne s'est pas répentie. Voici, je vais la jeter sur un lit et mettre dans une grande tribulation ceux qui commettent les adultères avec elle. S'ils ne se répandent pas de leurs œuvres, et je détruirai ses enfants par la mort, et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Mais je vous dis à vous et aux autres qui sont à Thyatire,
seront brisés comme les vases d'un potier, ainsi que j'en ai moi-même reçu le pouvoir de mon cœur. Et je lui donnerai les doigts du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Donc en fait, ça c'est un exemple, je voulais savoir, par rapport à l'église dénominationnelle, est-ce qu'on peut aussi également, comment on peut associer ça, c'est-à-dire même par rapport à l'église de maison, enfin l'église qui est marquée dans la parole, c'est-à-dire que vraiment, voilà, de vraiment de garder les principes. Est-ce que ce passage-là peut exclusivement réservé, par exemple, aux assemblées qui n'ont pas forcément les bases, en fait, que Jésus a donné, que les apôtres ont donné, en l'occurrence, par exemple, les églises dénominationnelles. Voilà, parce que je sais que souvent on dit oui, mais voilà, tu as vu, c'est marqué, par exemple, voilà, lorsque je partage sur la vision et sur l'église dénominationnelle, souvent on dit oui, mais regarde, tu vois, dans les lettres aux églises, il y en a certains qui disent de continuer à persévérer, comme Jésus dit, certains dans cette église-là, ils ont gardé leur robe blanche. Donc du coup, est-ce que c'est une... On va dire, enfin, lorsque je partage, c'est comme si on me faisait comprendre que même si cela n'était pas de Dieu, mais Dieu a permis, donc du coup, ceux qui sont dedans, ils resteront. Après, effectivement, moi je comprends bien effectivement que Dieu est le maître des temps, des circonstances. Il sait à quel moment il touche les cœurs et qu'il permet aux frères et sœurs de sortir. Maintenant, je sais qu'également, peut-être et certainement, le Seigneur il permet aussi que d'autres restent pour un but bien précis. Donc est-ce que ces recommandations, ces exhortations que le Seigneur donne, c'est aussi, on va dire, est-ce que ça cela peut appuyer pour certains de vouloir, ben voilà, de rester, par exemple, voilà, dans les églises dénominationnelles, parce que voilà, qu'ils ont des missions. Par exemple, moi, je sais que mon père, il me dit souvent. Oui, tu sais, Sébastien, moi, Dieu m'a appelé, j'ai un travail à faire, voilà. Enfin, il y a toujours ce côté-là, en fait, qui revient. Donc, je voulais savoir, et que du coup, voilà, ces versets-là sont un peu pris, enfin, sont pris, en fait, pour appuyer, malgré, voilà, autour de eux, il y a l'iniquité, malgré, voilà, comme là, on peut dire, là, il y a Jézabel, ou lorsqu'il dit dans d'autres assemblées, dans d'autres églises, il y a le trône de Satan. Est-ce que cela peut expliquer aussi également que, mais de toute façon, je pense que l'Église dénominationnelle restera et peut-être s'agrandira davantage dans les temps qui vont venir parce que l'iniquité s'accroît. Mais voilà, du coup, moi, c'était un peu ma question. Après, je sais pas parce que j'ai pas tout lu, donc peut-être que la réponse est déjà dans le livre. Mais j'ai pas encore tout lu, j'ai presque fini, mais j'ai pas tout lu, donc je voulais partager ça avec vous. Amen. 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 Bon. Alain, tu veux commencer? Non, vas-y. Bon, si je peux dire déjà quelque chose par rapport à cette question. Disons que elle. Bon, je vais d'abord commencer par un verset. Prenons Jérémie chapitre 10. Jérémie chapitre 10, verset 23. Jérémie chapitre 10, verset 23 nous dit: Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme
il marche, à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Bon. Ce verset nous permet de comprendre que l'homme, déjà, dont Jérémie est en train de parler ici, nous renvoie un peu à celui qui est conduit par le Seigneur. Quelqu'un qui est conduit par le Seigneur ne peut pas improviser sa marche. Il ne peut pas se dicter une conduite lui-même. Mais sa conduite vient du Seigneur. Et donc, si l'homme se conduit lui-même, certainement le chemin qu'il a emprunté ne réjouira pas forcément le Seigneur. Et la probabilité pour que cette personne se trompe est très 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 élevée. Déjà, Dieu ne viendra pas. Ce serait comme si Dieu venait se soumettre à la volonté de l'homme. Bon, si nous venons maintenant dans Apocalypse, il y a une église qui est présentée quand même ici, c'est l'église d'Éphèse. Donc, quand je regarde les lettres aux sept églises, nous avons quand même ici l'apôtre Paul qui a adressé une lettre aux Éphésiens. Et en lisant cette épître, voici ce qui est dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand on voit ici l'apôtre Paul s'adresser aux Éphésiens, l'église d'Éphèse obéit aux directives, au moins ce que le Seigneur a établi. Contrairement à l'église dénominationnelle. Parce que déjà quand tu regardes, prenons n'importe quelle église dénominationnelle. On va prendre par exemple ICC. Tu prends ICC. À ICC, tu ne peux pas adresser une lettre comme celle-ci. On ne peut pas lire Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont où? On a ICC, par exemple, ici au Blanc-Ménil, je ne sais pas si ils sont au Blanc-Ménil ou l'endroit où ils se trouvent. Tous les saints ne peuvent pas se sentir membres de ICC. Pourtant, les saints qui sont, par exemple, au Blanc-Ménil, doivent tous pouvoir bénéficier du message que l'apôtre Paul adresse aux saints qui sont à ICC. Donc, seulement en nous appuyant juste déjà sur ce point, on comprend que la dénomination n'est pas un élément sur lequel la parole de Dieu peut vraiment s'appliquer. Donc l'église dénominationnelle, peu importe ce qu'elle peut faire, peu importe ce que l'on peut dire de ce côté-là, elle n'obéit pas à la volonté de Dieu. Je ne sais pas, je crois que c'est toi, c'est le frère Sébastien même qui parlait tout à l'heure du corps du Christ. C'est toi qui parlais du corps du Christ tout à l'heure. Bon, si on regarde l'église dénominationnelle, on ne peut pas voir une image du corps du Christ. Parce que
déjà, quand tu regardes la dénomination, à côté de ICC, tu vas voir par exemple l'Église catholique. C'est aussi une dénomination, parce que dénomination, c'est dénomination. Tous ont des noms, donc tous portent une dénomination, ils ont une marque déposée. L'Église catholique, tu vas voir l'Église catholique, le bâtiment de l'Église catholique, à côté du bâtiment de ICC, peut-être à côté le bâtiment de l'Église évangélique, à côté le bâtiment de tel autre. La question, c'est déjà, est-ce que tous reçoivent la même nourriture? Non. Quand tu vas arriver chez ceux-ci, tu vas voir la manière même de procéder, l'assemblée des saints, 1 Corinthiens 14, 26, tu ne le verras pas appliquer là-bas. Chacun va appliquer, va faire le culte à sa manière. Chacun va chercher à procéder à sa manière. Chacun cherchera à rendre beau son petit rassemblement à sa manière. Les choses se font chacun comme il le veut et chacun dit qu'il tient cela de Dieu. La question donc c'est où est le repère? Il y a justement il y a un livre que j'ai acheté et dans lequel c'est un païen qui avait écrit ce livre et il relatait un peu l'histoire de la foi. L'histoire de la foi, comment est-ce que les choses ont évolué. Et en lisant ce livre, vraiment, il y a des choses qui sont révélées à l'intérieur qui tellement surprenantes de voir que tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans l'Église, avec les différents mouvements qui se créent et tout, cela ne date pas d'aujourd'hui. Mais nous comprenons une chose, c'est que, d'après ce qui est écrit dans ce livre, c'est que c'est le mouvement païen, en fait, que toutes les personnes ont essayé de copier. C'est des mouvements païens, les pratiques païennes que l'on ramène maintenant pour amener les païens à accepter le Seigneur. Alors on transpose les pratiques païennes. C'est les pratiques païennes qu'on ramène maintenant dans ce qu'on pourrait appeler Église aujourd'hui. Et le but, c'était que ces païens se retrouvent dans l'Église. C'est un païen qui a écrit ce livre. Les sacrements qui sont arrivés, la confirmation et tout, il explique clairement comment est-ce que tout cela est arrivé. Même les fêtes qu'il y a aujourd'hui dans les églises, l'église catholique et tout, il explique comment tout cela est entré dans l'église. C'est des fêtes qui étaient païennes. Et pour amener les païens à se retrouver dans l'église, ils ont ramené ces fêtes à l'intérieur de l'église en changeant parfois juste le nom, mais les païens retrouvaient tout ce qu'ils pratiquaient étant païens dans l'église. Et c'est de cette manière que ces fêtes-là ont été adoptées. La pratique que les catholiques utilisent, par exemple pour comment ils appellent ça, la confession de foi, la même chose. Tout ça, c'est des pratiques qui étaient païennes. Et qui ont été ramenées dans le corps du Christ. Donc, si maintenant, cela est parti de l'Église catholique, toutes ces dénominations, or, quand vous regardez un peu toutes les dénominations, elles se rapprochent pratiquement toutes de cette Église catholique. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut dire que dans ces dénominations, il n'y a pas des enfants de Dieu? Je ne peux pas dire qu'il n'y a pas des enfants de Dieu là-bas. Il y a certainement les enfants de Dieu à ce niveau, mais c'est des enfants de Dieu qui sont dans un mouvement qui ne glorifie pas le Seigneur.
C'est des enfants de Dieu qui sont dans des mouvements qui ne glorifient pas le Seigneur et qui doivent se repentir. Ils doivent se repentir d'appartenir à ces mouvements. Parce que, en même temps, ils ont le Seigneur fait grâce à qui il veut, le Seigneur donne son esprit à qui il veut, mais le Seigneur nous appelle aussi à l'obéissance. Le Seigneur nous appelle à lui obéir. Et c'est pour ça qu'il nous appelle, qu'il donne à ceux-là qui ont déjà reçu cette vérité, qu'il leur accorde la mission d'aller apporter le message vers ceux qui ne l'ont pas encore entendu. C'est le travail que nous avons à faire, aller vers ces personnes-là, aller leur parler du Seigneur, parce que le temps viendra où chacun devra rendre des comptes de ce qu'il aura fait. Donc, si quelqu'un veut persévérer dans une dénomination, libre à lui, mais il faudrait que toutes ces personnes-là puissent entendre le message sur l'Église, leur dire que voilà ce que le Seigneur appelle Église, voici qui est membre de l'Église, comment est-ce qu'on devient véritablement membre de l'Église, et qui constitue l'Église. L'Église est constituée de tous les saints, donc je ne peux pas me lever et commencer à dire je suis un saint de Castano, je suis un saint de ceci, auquel cas je commence à obéir à la méthode que les Corinthiens ont voulu apporter et que Paul avait sévèrement réprimandé. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans les dénominations, c'est ce qui voulait apparaître justement à l'église de Corinthe. Moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Donc, quand on voit ce qui se passe à l'église de Corinthe, on ne peut pas dire que ces Corinthiens n'étaient pas des enfants de Dieu. Mais ils avaient adopté, ils avaient accepté d'appartenir à un groupe, d'appartenir à... Voilà, à un groupe à part qui crée des divisions. Et ce n'est pas ce que le Seigneur attend de l'épouse. Nous sommes tous appelés à être un. C'est pour ça que quand on parle du corps, le corps n'est pas divisé. Le corps doit être uni. Le corps est un. Donc, si quelqu'un entend le message sur l'Église et qu'il veut y demeurer, lui-même rendra des comptes par rapport à ce qu'il aura fait du message qu'il aura entendu. Donc, moi, je ne peux pas dire que ces personnes sont dans la... qu'on doit les laisser comme ils sont. Non, il faut prier pour eux. Il faut leur dire qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils ne sont pas dans la volonté de Dieu parce qu'un homme ne se conduit pas lui-même. Un enfant de Dieu ne se conduit pas lui-même. C'est quelqu'un qui est du monde, qui peut se conduire lui-même parce qu'il n'a pas de père. Par contre, les enfants de Dieu doivent obéir à Dieu. Et c'est Dieu qui nous a donné ce commandement. C'est Dieu qui nous a appelés dans le corps du Christ. Et c'est lui qui nous a donné son esprit et il nous dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et la vérité du Seigneur se trouve dans la parole de Dieu. Donc quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, forcément, doit pouvoir obéir à ce qu'il entend venant de Dieu ou à ce qu'il lit de la part de Dieu. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à cela. Amen. 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 Si je peux
également apporter quelque chose pour compléter ce que Frère Georges disait? Non, pour commencer, le frère a rappelé ce que la parole de Dieu définit comme étant l'Église. L'Église, Ecclésia, c'est l'ensemble de ceux qui ont été appelés hors du monde, qui ont été sanctifiés et donc appelés hors du monde pour se consacrer à Dieu. C'est ça, sanctifiés. Ils ont été appelés hors d'eux, hors du monde pour se consacrer à Dieu. Donc, on sait que pour appartenir à l'Église, il faut passer par la nouvelle naissance et donc devenir un enfant de Dieu. À partir de ce moment-là, la lettre aux sept églises ne s'adresse pas à une forme d'église, mais s'adresse à des personnes qui sont nées de nouveau. Donc, les lettres aux sept églises s'adressent à l'ensemble de ceux qui sont nés de nouveau et qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Bon. Maintenant, à partir de là, lorsqu'on est de nouveau, on reçoit Jésus comme étant son Seigneur et comme son Sauveur. Bon, le Seigneur, ça veut dire maître. C'est-à-dire que ce que le Seigneur me révèle, je m'engage par les eaux du baptême. C'est ça l'engagement de bonne conscience. Lorsqu'on passe dans les eaux du baptême, je m'engage à obéir au Seigneur, à ce qu'il me montre. Je m'engage pas, parce que j'ai été baptisé chez ICC, à obéir à ICC. Je m'engage pas à obéir à Charisma parce que je me suis baptisé à Charisma. Non. Je m'engage à obéir au Seigneur. La preuve, c'est qu'on baptise au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom de Charisma ou au nom de je ne sais pas, d'une quelconque dénomination. On baptise au nom de Jésus. Donc, je m'engage à obéir à Jésus. Jean, chapitre 1, verset 14, nous dit que la parole a été faite chair. Et elle est descendue habiter au milieu de nous. On sait qu'on nous parle de Jésus. Donc, Jésus est la parole. Donc, si dans la parole, je vois ce que Jésus veut, ce que Jésus dit, ce que Jésus enseigne, la manière dont Jésus dit que son Église doit se passer, je crois que c'est Éphésiens 1, qui nous dit qu'il est la tête de l'Église. Donc, voilà ce que la tête enseigne. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, si je suis un disciple sérieux du Seigneur, je dois appliquer et marcher conformément à ce que Jésus-Christ a enseigné et pratiqué, ce que les apôtres ont enseigné et pratiqué, que les prophètes avaient déjà, dont les prophètes avaient déjà annoncé l'ombre. Donc, normalement, un véritable disciple, c'est comme ça qu'il marche. Il ne marche pas conformément, comme le frère disait, il ne marche pas selon lui-même. Il marche selon la parole de Dieu. Donc, dès l'instant déjà où on me montre dans la parole de Dieu que ce que je fais, enfin, ou dès l'instant déjà que ce que je fais ne peut pas être appuyé par la parole de Dieu, là, je manque déjà complètement à mon engagement que j'ai pris le jour de mon baptême en disant j'ai accepté Jésus comme Seigneur. Parce que j'ai accepté, en fait, la parole de Dieu comme étant ma direction. Mon Seigneur, c'est la parole de Dieu. En fait, Jésus est sa parole. Donc, j'ai accepté la parole de Dieu comme étant mon guide, désormais pour toute la vie. Donc, si je vois quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, et que moi je fais autre chose, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui est mon guide. En fait, c'est qu'on est sentimental. On est des sentiments, il est quand même enfant de Dieu. Oui, oui, ce sont des enfants de Dieu, mais qui désobéissent. Le Seigneur appelle rebelle quelqu'un qui connaît la vérité et qui n'obéit pas. La Bible nous dit dans Actes chapitre 17, versets 31, 30 et 31,
Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, appelle tout le monde qu'ils aient à se repentir. Le frère a parlé tout à l'heure de repentance. Oui, on peut être dans l'ignorance. Oui, beaucoup d'enfants de Dieu naissent vraiment de nouveau et sont dans les dénominations parce qu'ils sont ignorants et parce qu'on les a conduits de cette manière-là, depuis toujours. Bon, maintenant, la question c'est quand ils rencontrent la vérité. Pour ma part, de ce que je lis des Écritures, celui qui a connu cette vérité-là et qui ne l'a pas mise en pratique n'est pas la même, ne sera pas jugé de la même façon que celui qui n'a jamais connu cette vérité. Parce que si je connais la volonté du maître, en voyant moi-même ce qui est appliqué, en regardant dans la parole, en ne voyant pas ça, et en continuant à l'appliquer, je deviens un rebelle. Je ne suis pas en train d'appliquer la parole du maître. Là, j'ai même déjà, en fait, comment dire, j'ai déjà dénoncé l'engagement de mon baptême. Si je connais la vérité et que je ne la mets pas en pratique, regardons un peu dans, je crois que c'est Matthieu 12 ou Luc 12. Attends, on va voir ça. Regardons un peu ce que le Seigneur dit. Alors, attends, c'est le 12. Permettez-moi de trouver la référence. Regardons un peu dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, verset 47 au verset 48. Luc chapitre 12, verset 47 au verset 48. Il est écrit: le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé, et qui n'aura pas agi selon sa volonté. Je prends le même exemple que le frère nous a pris tout à l'heure. Si on prend 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, défini de manière non ambiguë, il n'y a pas besoin de révélation là-dessus, c'est écrit littéralement ce qu'on doit faire dans les rassemblements chrétiens. Quand on va dans un milieu et qu'on voit que ça ne se passe pas comme ça, alors que c'est écrit littéralement, c'est écrit ici, le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien préparé et n'aura pas agi selon sa volonté. Ce n'est pas pour rien qu'on a les actes des apôtres qui sont là, qui nous montrent comment l'Église a été établie, les fondements de l'Église. Ce n'est pas pour rien que nous avons les épîtres qui sont là pour nous montrer comment les Églises ont marché au début, les écueils qu'elles ont rencontrés, les dérives qui ont commencé à se poser et la manière dont les apôtres ont corrigé ces dérives-là par la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour nous servir de modèle. Autrement, ça ne serait pas la peine que nous ayons une Bible, que nous ayons des modèles, que nous ayons... Puisque Éphésiens 2:20 nous précise bien sur quel... On n'est pas fondé sur n'importe quoi. On n'est pas fondé sur des sentiments. On est fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc, on a un modèle, on a un exemple. C'est l'Église primitive, c'est l'Église bâtie par les apôtres. Donc, on a un exemple sur lequel on doit regarder et comparer. D'ailleurs, on ne devrait même pas comparer, c'est qu'on doit s'en inspirer et faire le nôtre, qui doit être une copie de celle-là. De l'Église primitive, on doit faire la copie. Ce n'est même pas qu'on doit faire pour nous et comparer si c'est pareil à l'Église primitive. Non, c'est qu'on doit partir du modèle de l'Église primitive qui est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes et Jésus-Christ étant la pierre angulaire, et on reproduit la même chose. Si tu vas demander à une dénomination n'importe laquelle, quel est le fondement que tu as d'après la parole de Dieu? Ben, déjà sur le nom, quel est le fondement biblique du nom que tu portes? Par rapport au fait que tu es une église. On ne peut pas appuyer ça par la parole de Dieu. Donc, finissons le verset ici, là. Il est dit, le serviteur qui aura connu la volonté de son maître
qui n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon la volonté s'est dit, bon, ok, bon, j'ai entendu le message, ce n'est pas grave, nous on a l'habitude de faire comme ça, on continue à faire comme ça. Donc, il connaît la volonté du maître et il ne fait rien. Il reste tel qu'il est. Regardons ce qui est dit. Sera battu d'un grand nombre de coups. Connu la volonté du maître et n'aura rien fait, sera battu d'un grand nombre de coups. Donc, un minimum, en fait, c'est que quelqu'un entend ce message, s'il vérifie dans la parole de Dieu que ce qu'on lui dit là, c'est ce qui est écrit, le minimum, c'est qu'il doit entrer dans la prière. C'est un minimum pour demander au Seigneur, bon, ce message-là, je regarde dans la Bible, ça a l'air d'être ça, qu'est-ce que je fais? C'est un minimum. Mais s'il n'a rien préparé, c'est écrit ici, là, s'il a entendu la volonté du maître et il n'a rien fait, il sera battu d'un grand nombre de coups. C'est ce que la Bible dit. Donc, on peut avoir des sentiments, voilà, ce sont des enfants de... Oui, ce sont des enfants de Dieu, c'est la vérité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu là-bas, mais il n'en demeure pas moins que ces versets-ci sont clairement écrits ici. Et lorsqu'on lit les lettres aux sept églises, le Seigneur dit toujours, répands-toi. Tu as ceci, ceci, répands-toi. Et ensuite, il va dire, ceux qui n'ont pas cette doctrine-là, par exemple, la lettre à l'église de Thyatira qu'on a lue, ceux qui n'ont pas cette doctrine-là, restez comme vous êtes, tenez ferme. Mais la doctrine dénominationnelle n'est pas biblique. Donc, si quelqu'un est dans une dénomination, il ne peut pas dire qu'il n'a pas cette doctrine-là. Il l'a puisqu'il l'applique. Donc, le Seigneur va lui dire, repends-toi. Il sera dans le groupe des repends-toi. Il ne peut pas être dans un autre groupe. Parce que la dénomination n'est pas de Dieu. Parce que ceux à qui le Seigneur demande de rester comme ils sont, de tenir ferme dans les lettres aux sept églises, c'est ceux qui obéissaient à la vérité. Parce que en fait, il y a des œuvres charnelles qui se pratiquent dans ces milieux-là. Voilà, il y en a peut-être qui sont dans le péché. Il y en a qui, je sais pas moi, n'ont plus suffisamment d'amour pour le Seigneur. C'est vraiment un message individuel aux personnes. Parce que ce sont des péchés individuels. Mais la dénomination, c'est pas un péché individuel, c'est collectif. Si j'adhère à ce mouvement-là, ça veut dire que j'ai accepté cette doctrine-là, donc je suis en train de supporter quelque chose qui n'est pas de Dieu. Là, je parle bien de quelqu'un qui connaît, hein, et qui décide de rester là. Donc, si quelqu'un entend le message et qu'il prie le Seigneur, et que le Seigneur lui dit, reste là pour enseigner ce que tu as entendu, et que tu sortes à un moment... Parce que, après je vais prendre ce verset là, on va voir aussi. Alors, et que tu sortes à un moment, n'oublions pas cette pensée là, parce qu'il y a quelque chose derrière ça. Verset 48, je finis là, après je vais aller là où je voulais dire là. Donc, verset 48, il dit, en revanche, celui qui n'aura pas connu, donc n'aura pas connu la volonté du maître, et aura commis des actes dignes de châtiment. À partir du moment où je lis littéralement que Jésus dit que chacun qui vient dans une réunion chrétienne, s'il a un cantique qu'il chante, s'il a une révélation qu'il la donne, et que je refuse d'appliquer ça, je dis non, il va avoir la chorale, il va avoir le prédicateur, il va avoir ceci, avec des spécialités chacun dans son domaine. Si c'est ce que j'applique et que je ne sais pas que le maître dit autre chose, et aura commis des actes dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. Donc, on voit que systématiquement, quand il y a transgression de la parole de Dieu, avec connaissance ou non, il y a quand même quelque chose qui est associé, qui ressemble à une punition, à une correction, qui est ici. Sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné. Là, ça s'adresse à celui qui a la connaissance de cette parole-là. C'est une chose d'être sorti du système dénominationnel. Encore faudrait-il marcher comme Dieu veut. Ça s'adresse à ceux qui, pour la question de la dénomination, ont obéi. On demandera beaucoup. Celui qui est sorti, il ne faut pas qu'il soit juste sorti d'un système visible comme ça, mais il faut que la réalité de ça soit vécu dans son cœur. Donc ensuite, maintenant, on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Alors, le verset dont je voulais nous faire lire concernant
Le fait que si Dieu révèle à quelqu'un sa volonté par rapport à l'Église et le laisse là-bas, regardons ce qui est écrit ici là dans Actes chapitre 6. Actes chapitre 6, verset 7. Actes 6, verset 7. Acte 6, verset 7 dit, la parole de Dieu se répandait, le nombre de disciples se multipliait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi, c'est-à-dire sortait du système qui existait jusque-là, le système du temple et tout ça, pour obéir à la foi. Regardons par exemple Jean, chapitre 12, verset 42. Jean, chapitre 12, verset 42. Il est écrit, cependant, même parmi les chefs de synagogue, plusieurs crurent en lui, en Jésus, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, donc ils ne l'acceptaient pas publiquement, de crainte d'être exclus de la synagogue. Et ailleurs, Jésus dit à ses disciples, vous serez exclus de leur synagogue. Donc, en fait, c'est la même chose qui se reproduit. Ça, c'était lors de la première venue de Jésus. Lors de la seconde venue, lors de la première venue de Jésus, ben, le système du temple existait. Le système du temple, la loi de Moïse, c'était biblique. Il y avait des choses bibliques dans ce qu'il faisait. Mais ce n'était pas conforme, la manière dont il faisait n'était pas conforme à la parole du Seigneur. Et le Seigneur Jésus est venu apporter la correction. Mais est-ce que nous voyons que ceux qui ont obéi au Seigneur sont restés dans le système du temple, dans le système des sacrifices, dans le système des rabbins et de tout ce qui existait, des sacrificateurs? Non. Ils sont passés justement à l'enseignement de Jésus-Christ, dont ils sortaient de là. Même ceux qui ont obéi ici à la foi, ces sacrificateurs-là, ils sortaient de là. Et d'ailleurs, Jésus a dit, ils vous excluront de leur synagogue. C'est-à-dire, le système qui est établi, on en sort. On fait, si on a prié et que Dieu dit qu'on a un travail à faire, on le fait et après on sort. Moi, je ne vois pas dans les Écritures quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ et qui est resté dans le système des synagogues jusqu'au bout et être un véritable disciple du Seigneur. Il sortait toujours de là. Il sortait partout où nous voyons dans les Actes des Apôtres à foison. Jason, par exemple, qui était le chef de la synagogue, on l'a persécuté, il est sorti. C'est tout le temps pareil. Les apôtres, quand ils allaient dans la synagogue, dans les Actes des Apôtres, Actes 13, 14, ainsi de suite, partout ils allaient prêcher la parole du Seigneur dans les synagogues, donc dans le système ecclésiastique existant, l'équivalent des dénominations aujourd'hui, ils étaient toujours mis à la porte, avec un certain nombre de personnes qui sortaient et qui les suivaient. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait reçu le message et qui restait dans la synagogue. Ça ne se faisait pas comme ça. Donc, celui qui avait reçu le message, allô?
On voit l'itinéraire des apôtres dans le livre des Actes. Chaque fois qu'ils arrivaient dans une ville, ils allaient dans les synagogues. Donc, ils allaient vers le système ecclésiastique qui existait, que Jésus a trouvé. Donc, ils allaient vers ce système-là pour annoncer la vérité, pour annoncer la parole de Dieu, pour annoncer la manière dont le Seigneur voudrait qu'on marche. Et en annonçant, on voit, bon, ça attirait des persécutions. Et donc, ils ne recevaient pas ce message. Et ceux qui recevaient le message sortaient. Toujours, à chaque fois. Ils ne restaient jamais là. On ne voit jamais, nulle part, dans aucun cas de figure. On peut voir dans Acte 13, Acte 16, ainsi de suite, partout où ils passaient, ceux qui étaient là sortaient. Toujours. Donc, on ne voit jamais quelqu'un recevoir la parole et rester dans le système ecclésiastique existant. Ça, c'était lors de la première venue de Jésus. Jésus lui-même avait prévenu, ils vous excluront de leur synagogue. Donc ceux qui avaient reçu le message sont forcément exclus. Et ils ne peuvent pas cohabiter. Parce qu'il y a, il y a une opposition. C'est vrai, il y a les véritables enfants de Dieu qui ont l'esprit de Dieu, mais il y a l'esprit des dénominations qui est là. Et ça c'est le vrai problème, c'est celui-là. C'est l'esprit qu'il y a derrière la dénomination, et ça on peut le prouver bibliquement. C'est cet esprit-là qui fait blocage à l'œuvre du Seigneur. Et c'est ça qui d'ailleurs perturbe les authentiques enfants de Dieu pour qu'ils n'obéissent pas à la parole de Dieu telle qu'elle est écrite là. C'est ça qui perturbe. Donc, juste pour répondre à la question selon laquelle, on peut avoir reçu le message et rester. Ça ne s'identifie pas aux lettres aux sept églises. Parce que les lettres aux sept églises, ceux à qui le Seigneur dit tenir ferme, n'étaient pas dans la compromission. Ils n'étaient pas dans l'erreur. Ils n'étaient pas dans la désobéissance au Seigneur. Ils obéissaient, mais à côté d'eux, il y en avait qui n'obéissaient pas. Qui était dans certaines formes de désobéissance au Seigneur. Mais si quelqu'un reste dans le système dénominationnel, connaissant la vérité, voyant tout ce que ça implique derrière, en fait, lui-même, il est dans la désobéissance. Donc, il ne peut pas se justifier avec les lettres aux sept églises. Parce que tous ceux qui sont dans la désobéissance, dans les lettres aux sept églises, le Seigneur dit, repens-toi, et puis corrige. Pratique, ce qui est juste. Donc, voilà un peu rapidement ce que je pourrais apporter par rapport à ce sujet-là. Amen. Après, moi, je pense en tout cas pour beaucoup
qui se disent qu'ils sont pas, qui n'ont pas la conviction, c'est-à-dire qu'ils voient ce qui est marqué dans la parole. Après, il y en a certains qui disent, bon, mais que Dieu me convainc, en tout cas, tant que je ne suis pas convaincu, bah, je continue. Après, effectivement, c'est le Seigneur qui convainc. Mais en tout cas, oui, bah, grâce à Dieu, ça a répondu. En plus, effectivement, on voit bien, il s'adresse dans la ville, dans les églises qui sont dans les localités, dans les villes. Et donc, du coup, dans les villes, il y a des frères et sœurs qui persévèrent, alors qu'à côté d'eux, effectivement, ils sont dans l'erreur, quoi, ils sont dans l'erreur. Donc, mais je voulais savoir, est-ce que vous avez ressenti aussi par rapport à justement cette œuvre-là au niveau de faire comprendre au peuple de Dieu la vision de ce que c'est que l'Église. Est-ce que il y a cet appel qui peut-être, je sais pas si vous l'avez eu pas ou si vous l'avez eu jusqu'à présent, d'aller justement parmi ces frères et sœurs dans les nominations pour pouvoir prêcher, pour pouvoir annoncer justement cette vérité-là, quoi. Cette vérité-là, mais comme vous avez expliqué effectivement, comme Paul, comme les serviteurs faisaient, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Et que effectivement les principaux maîtres, etc., ils quittaient leur fonction pour vraiment obéir au Seigneur. Est-ce que vous l'avez ressenti là, ou est-ce que aussi c'est quelque chose qui peut aussi se faire, c'est-à-dire que là on reçoit la vérité et on voit que on ressent qu'il y a vraiment, par exemple dans une des nations, on ressent qu'il y a vraiment il y a toujours cet esprit là derrière, mais qu'il y a beaucoup de la vérité est vraiment captive. Est-ce que tu peux appeler justement à ce que voilà un serviteur, etc., vienne là-bas, et que du coup il y a aussi ça qui m'a été dit également. Du coup, par exemple, il y a des personnes qui disent qu'ils ont reçu un peu cet appel-là, et du coup, comme Paul, lorsqu'il a dit, il se fait juif parmi les juifs, grec parmi les grecs, être sous la loi comme ceux qui ont la loi, etc., pour pouvoir gagner. Donc est-ce que ça aussi c'est quelque chose aussi qui peut être aussi, ça peut être quelque chose qui peut être répandu ou qui peut être exceptionnel? Est-ce que vous de même vous avez ressenti ça sur les personnes aussi avec qui vous connaissez, ou d'autres personnes que vous connaissez pas? Par exemple, vous avez dit moi je prends mon exemple personnellement. Moi, avec l'entourage où je suis, par exemple, voilà, moi j'ai un témoignage, ma femme elle en témoin. Il y a des fois, il y a des choses en fait qui se fait où des personnes autour de moi. Donc c'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui établit. Maintenant, quand tu regardes, bon, on va d'abord lire cela. Il a dit,
Et vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Secondement, les prophètes. Troisièmement, les docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, tu vois que ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui vient établir, c'est Dieu qui établit dans l'Église les ministères. C'est lui qui vient établir les ministres qui sont appelés à conduire son peuple. Ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'est exactement ce qui se passe dans la Nouvelle Alliance. Moïse ne s'est pas levé de lui-même. Moïse n'a pas été formé dans une quelconque école pour dire que bon, maintenant, c'est après avoir fait tant d'années que tu iras combattre contre Pharaon pour libérer le peuple d'Israël de l'Égypte. Non, c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Maintenant, quand tu regardes l'avertissement que l'apôtre Paul donne maintenant à Timothée, allons regarder dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, au chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4. Au verset 3, l'apôtre Paul avertit Timothée en lui disant, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, virgule. Donc, le temps arrivera, il est en train de lui dire que le temps arrivera où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine des apôtres, c'est la doctrine des prophètes. C'est cette doctrine-là qu'on appelle la saine doctrine. Il n'y a pas une autre doctrine, donc c'est les fondements qui sont issus de la parole de Dieu. Cette sainte doctrine, elle se trouve là. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Toute bonne œuvre. Il n'a pas dit à toute œuvre. Non, il a dit les œuvres bonnes, toute bonne œuvre. C'est pour ça que nous avons la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons nous inspirer de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça qui est notre fondement. Donc nous devons nous appuyer, nous devons chercher la vérité dans la parole de Dieu. Donc quand on regarde donc ce système dénominationnel, la question que chacun pourrait se poser, où est-ce que se forme, où est-ce que Dieu, comment est-ce que Dieu établit maintenant, comment se fait-il que Dieu a établi Paul d'une certaine manière et aujourd'hui il établit Ivan Castano ou tous les autres là d'une autre manière? Dieu a-t-il changé? Est-ce que c'est les mêmes ministères ou est-ce que c'est des ministères qui sont différents? Où se trouve la vérité? Si c'est Dieu qui établit, comment est-ce que
Ananias est venu à Saul pour lui parler. Qu'est-ce qui a amené Ananias à se diriger vers Saul? C'est des questions que l'on devrait se poser. Est-ce que c'est de la même manière aujourd'hui que tous ceux qui sortent de ce système dénominationnel, qui sont aujourd'hui des pasteurs, qui portent aujourd'hui des toges, qui s'habillent d'une certaine manière et qui se présentent devant les brebis pour leur dire « Je suis votre pasteur, j'ai le pasteur, je suis le pasteur affecté chez vous. » Est-ce que c'est comme ça que le Seigneur fonctionnait avec l'Église telle que nous révèle la Bible? C'est les questions qu'il faut toujours se poser. Donc, dans 2 Timothée chapitre 4 maintenant, au verset 3, il est dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. » Parce que cette doctrine-ci, elle ne peut pas être supportée par tout le monde. Et il nous dit que « Mais ayant la démangeaison dans tant de choses agréables. » Donc, on cherchera toujours à entendre des choses agréables, à faire des choses non pas qui font mal à la chair, mais qui plaisent à la chair. Ce sont ces choses qui plaisent à la chair que le peuple va commencer à chercher, que les personnes vont commencer à chercher, les choses qui font plaisir à notre chair. Parce que quand on dira à quelqu'un que vous devez vous rassembler peut-être à trois, vous devez vous rassembler à trois dans une maison, c'est chez toi que les gens doivent venir, tu n'auras pas la possibilité peut-être d'aller porter les hauts talons, d'aller te maquiller, d'aller mettre une très belle robe, un gros foulard ou un gros chapeau, parce que c'est dans la maison et il n'y a que trois ou quatre personnes. Donc personne ne te verra. Puisque personne ne te verra, personne donc ne pourra apprécier même la valeur de ce que tu portes. Or, il faut que ces choses-là puissent se voir. Moralité, au lieu de rester dans la sainte doctrine, au lieu de rester dans ce qui est saint selon Dieu, tu vas te lever et aller plutôt chercher un endroit où il y a 1000 personnes, où il y a 500 personnes, pour que quand tu entres, tout le monde voit l'apparence qu'il y a sur toi. Ça va attirer les regards des uns et des autres. Juste pour prendre ce petit exemple. Et il dit donc que, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand vous regardez un peu, vous pouvez regarder sur Internet, par exemple, la carte pastorale de la France. Vous pouvez voir que il y a des zones dans lesquelles il y a beaucoup de pasteurs, des zones dans lesquelles il n'y a pas de pasteurs. Et dans ces zones-là, le projet, c'est qu'il faut recruter encore un bon nombre de pasteurs que l'on va affecter dans ces localités, dans ces régions. La question, c'est est-ce que c'est comme ça que le Seigneur conduit son Église? Est-ce que c'est des hommes qui doivent maintenant dire que dans la région, par exemple dans le nord, il manque des pasteurs? Alors, il va falloir recruter maintenant 30 docteurs ou 50 docteurs qui iront dans quel que l'on affectera au nord. Et de la même manière que, par exemple, l'Église évangélique fait ce programme, l'Église apostolique aussi établit le même programme, tel autre aussi établit son programme. Et c'est comme ça qu'ils vont maintenant lancer un concours. On va lancer un concours où on va recruter certaines personnes et on vous dira, pour participer à ce concours, il faut avoir un niveau licence. Tu vois? Donc, il faudrait avoir
un niveau licence. Donc, tu as été à l'école et il va falloir donc, si tu n'as pas la licence, ça veut donc dire si tu n'as pas la licence, tu ne peux pas être un appelé de Dieu. La question c'est qui donne donc cette licence? Et encore même s'il y a de la licence, on va encore peut-être te dire une licence peut-être en l'air. Une licence ou un master en philosophie ou un master en droit ou un master en ceci. Donc il y aura tous ces critères qu'ils vont mettre sur place. Tu te poses donc la question de savoir est-ce que pour que Dieu appelle quelqu'un, il va aussi lui dire que pour que tu deviennes un ministre, il faudrait déjà que tu aies passé un master 2 ou un master 1 ou ceci ou cela. Donc toutes ces conditions que les hommes sont venus mettre ou que les hommes sont venus établir, tu vois qu'il y a un problème. Il y a un véritable problème dans la dénomination. Non, le système est totalement à côté de la plaque. C'est un système qui est totalement à côté de la plaque parce que si on dissèque vraiment point par point ce qui se passe dans la dénomination, on comprendra qu'ils sont très loin du modèle que le Seigneur a laissé. Ça veut dire, même si tu es appelé et que tu n'as pas, tu ne remplis pas certaines conditions, tu ne peux pas être un enseignant de la parole là-bas, tu ne peux pas apporter la parole et même les dons spirituels ne peuvent pas se manifester n'importe comment parce que quelqu'un qu'on va appeler un simple fidèle, il n'aura pas la possibilité de se lever, par exemple, commencer à parler, commencer à donner une prophétie, commencer à faire ceci. Non, il y a beaucoup de dénominations où cela est interdit. Parce que c'est le pasteur, les anciens qui vont parler, peut-être encore les diacres, quand on leur donne la parole, et c'est tout. Donc, il dit, ils se donneront une foule de docteurs selon leur désir. Donc, ce n'est pas le désir de Dieu. Et le Seigneur l'a prévu. Le Seigneur l'avait prévu. C'est pour ça que Timothée, ici, est prévenu de cela. Et le Seigneur a laissé cela dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour que demain ou après-demain, lorsque nous verrons ce genre de choses se passer, qu'on ne soit pas surpris. Mais le Seigneur dit, c'est ceux qui ont quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et là donc, chacun va commencer à créer son modèle, modèle de sainteté. Chacun va commencer à créer sa manière à lui, par exemple, de baptiser. Chacun va commencer à créer sa manière à lui d'organiser les choses qui sont celles du Seigneur. Donc chacun cherchera à les mettre à sa manière pour qu'elles soient visiblement bonnes, pour qu'elles soient visiblement appréciables par ceux qui sont autour d'eux. Donc, ça c'est le problème de la dénomination. Maintenant, j'arrive donc sur l'expérience que nous avons vécue. J'arrive sur l'expérience que nous avons vécue. Il y a le frère Alain qui allait, je crois c'était à une veillée, et il avait besoin de traiter. Il avait besoin de traiter. Et je crois qu'il rentrait donc du travail et il a trouvé un lot de traités. Je sais pas si c'était un lot de traités ou je sais plus, je me souviens plus très bien. Et il avait donc vu, oui, c'était un lot de traités qu'il avait ramassé. Et sur ces traités, c'était des traités qui appartenaient à une dénomination, Deeper Life. Bon, ils sont ici à Saint-Denis. Donc, le frère est allé donc, je crois qu'il est allé les rencontrer, il est allé rencontrer le pasteur de là-bas, on lui avait donné des traités, peut-être le frère lui-même pourra bien éclaircir.
Mais je sais, la phase qui nous intéresse, c'est que par la suite, le frère nous a donc fait part de cela et il a proposé qu'on aille leur rendre visite un dimanche. Un dimanche, on est arrivé ici à la maison, on a prié, on a fini de prier, on a pris les véhicules, on est parti. On est arrivé, on les a retrouvés, bon, on est entré. Déjà, quand tu entrais là où ils s'assemblaient, à l'extérieur, il y avait une grande affiche du pasteur, du fondateur. Il y avait une grande affiche du fondateur. On est entré, on s'est assis. Ils ont fait vraiment le partage. Le partage était très, très, très intéressant. Je crois qu'ils prêchaient sur le retour à l'église primitive. C'était un partage, je crois, dessus, il faut rentrer sur le fondement, sur l'église primitive. Et il y avait vraiment, on prêchait vraiment sur la sanctification. Et quand on regardait vraiment dans la salle, les filles étaient vraiment couvertes. Vraiment, on voyait vraiment que c'est des gens qui avaient la crainte de Dieu. Bon, quand on a donc fini, quand ils ont fini le partage, on s'est levé, on est allé rencontrer le pasteur, on a pris rendez-vous avec lui. Il a dit que bon, on voulait partager, causer un peu avec lui s'il avait du temps. Il nous a donné rendez-vous. On était parti au rendez-vous. On l'a croisé dans son bureau. C'était je crois que ça devait être à la fin de semaine ou en fin de journée, je ne me rappelle plus très bien. On est parti, on a commencé à vraiment parler avec lui pour lui dire que bon, on a beaucoup apprécié la manière dont les choses se déroulaient et tout et tout et tout et tout et tout. Après, on lui a aussi montré les choses qui n'allaient pas. Par exemple, ils étaient en train d'organiser une marche et ils vendaient des tricots. Ils vendaient des tricots pour cette marche. Et on lui avait donc proposé, le frère Alain lui avait demandé, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il aurait mieux fallu, le frère lui avait pris l'exemple de ces personnes qui vendaient, qui faisaient du commerce dans le temple. Et Jésus les avait tous chassés. Et il a donc demandé que, mais comment est-ce que vous pouvez venir vendre des t-shirts dans le temple? Comment vous pouvez venir vendre les temples dans le t-shirt? Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, par exemple, d'appeler les bien-aimés qui ont des moyens, par exemple, de financer ces t-shirts et puis demander aux bien-aimés de venir récupérer les t-shirts, celui qui veut qu'il vienne récupérer les t-shirts. Et donc, on lui a vraiment mis face à la vérité, face à la vérité. Lui-même, il a commencé à pleurer parce que ce qu'on lui disait était tellement pertinent. Et on était parti avec un livre sur le christianisme paganisé. On lui a offert le livre. Il a dit, bon, on a fini de parler. La première fois qu'on a fini, il a dit, bon, ok, il va lire le livre et il nous recontactera. Donc, on est reparti. Mais vraiment, on sentait qu'il avait été touché par tout ce qu'on lui disait. Maintenant, quelques temps après, il a recontacté le frère Alain et il dit, maintenant, c'est lui aussi, il veut nous recevoir, qu'on aille encore le retrouver. Quand on est reparti, il a commencé à nous expliquer. Voilà, il avait aussi demandé qu'on lui envoie les vidéos de nos partages, comment ça se passe, comment on fonctionne. Donc, quand on est arrivé, il a donc dit que, bon, voilà, il a regardé les vidéos, il a aussi commencé à lire le livre sur le christianisme paganisé. Il dit que vraiment ce livre, il est tellement dangereux
parce qu'il peut faire beaucoup de dégâts lorsque quelqu'un le lit. C'est un livre qui peut vraiment éloigner quelqu'un de la foi. Et il a vu la manière dont on se rassemble, il n'avait rien vu, il n'y avait rien à redire dessus, mais il dit que c'est comme ça aussi qu'ils avaient commencé, sauf qu'ils se sont rendus compte qu'à un moment donné, il y avait l'effectif qui devenait grand, l'effectif devenait grand, et alors ils étaient obligés d'aller prendre encore une salle, et c'est comme ça qu'ils ont évolué jusqu'au niveau où ils sont aujourd'hui. Donc, il nous dit que pour lui, il ne trouve pas qu'ils sont dans l'erreur. Il trouve que, en fait, l'Église est en train de progresser et donc ce n'est que vers là qu'ils peuvent se retrouver et que nous aussi, à un moment donné, qu'on sache que, à un moment donné, lorsque nous serons aussi très sollicités, nous risquons aussi de nous retrouver sur le même chemin. Donc après, quand on a encore essayé, il a dit non, lui, il ne veut pas, et il ne veut plus écouter, et que c'est sa position qu'il a compris et que c'est là où il s'arrête. Bon, nous, on ne pouvait plus faire quelque chose d'autre. On lui a dit merci déjà de nous avoir écouté. Le livre même qu'on était allé lui donner, il n'a plus voulu garder le livre, il nous l'a remis. Et on lui a dit bon, gloire à Dieu, mais au moins il a compris toute la vérité. Donc ça c'est une expérience, c'est un vécu vraiment, et c'est là où on a compris que quand on est dans une dénomination, vraiment pour sortir, ce n'est que vraiment par la prière. C'est vraiment par la prière, parce que même quand quelqu'un dit qu'il aime le Seigneur, il veut servir le Seigneur, mais tu sens comment la personne est liée, comment la personne est tenue, comme si elle était enchaînée dans la dénomination. Il voit toute la vérité, il voit l'erreur dans laquelle il se trouve, mais il ne veut pas reconnaître que je dois sortir de là. Prendre cet engagement n'est pas quelque chose de facile. Donc, voilà mon frère, ce que je peux te dire par rapport à l'expérience que tu demandais. Et je ne sais pas si le frère Alain pourra compléter par rapport à tout cela. Amen. 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 Parce que tu as aussi répondu à une de mes questions que je me posais et qui aussi était beaucoup posée, c'est le fait de commencement des choses, parce qu'effectivement, comme tu as dit, il y a beaucoup d'assemblées dénominationnelles qui sont telles qu'elles sont aujourd'hui, mais qui ont commencé de manière, on va dire, de maison. Et qu'effectivement, la question après qui s'est posée, c'est par rapport à la fréquentation, le fait qu'il y ait beaucoup. Et du coup, automatiquement, le premier réflexe, c'est au départ, on essaie de casser les murs, on ne peut pas, donc du coup, il faut essayer de louer la salle. Donc, du coup, c'est vrai que c'était une question aussi que je me posais par rapport à vous. Et donc, du coup, vous avez répondu, genre, de toute façon, ça se voit, tel qu'on voit aussi en France, de toute façon, comment ça se passe. Mais ça montre aussi qu'effectivement, on est. Voilà, c'est en fait, c'est un choix, c'est un compromis, en fait. Malheureusement, beaucoup de personnes qui ont été, je pense, peut-être ont voulu servir le Seigneur dans la simplicité, mais par des mauvais conseils, par ce qui se fait aussi autour, parce que c'est un peu comme le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont vu autour d'eux, il y avait des rois, ça et là, ils ont demandé à Samuel, voilà, que nous aussi on veut un roi, comme les nations autour d'eux, alors qu'ils avaient le roi qui était Dieu, le roi des rois qui était Dieu lui-même. Et je pense qu'aussi, malheureusement, c'est un peu comme ça s'est passé. Mais voilà, j'en gloire à Dieu, parce que c'est aussi, on voit des frères et des sœurs qui veulent rester vraiment dans le chemin étroit, c'est pas facile, mais qui restent fidèles à la parole et enfin d'essayer de rester au plus près de la parole. Et que ça, c'est pas
le choix de vouloir mettre comme excuse le fait qu'il y a beaucoup de gens, que là c'est un peu difficile, donc du coup on va commencer à louer une salle, ben là voilà, alors que ça, voilà, ça c'est pour moi, je pense que ça c'est vraiment une excuse, et c'est une excuse qui est pas valable, sachant que même aussi qu'ils prennent cette excuse là, en fait, qu'ils prennent cette raison là et ils l'appuient dans la parole par rapport à lorsque Paul il avait pris un acte d'apôtre. Alors c'est avec l'école de Tyrannus, mais bon, ça c'était limité dans le temps. Et du coup, des fois, ils prennent cet exemple-là aussi, cet appui, on va dire, pour dire, voilà, même Paul aussi, il a dû prendre une salle. Donc du coup, voilà, bon, après, voilà, le problème, c'est que lui, il a pris, enfin, il a eu, c'était une exception, et en plus, c'était limité dans le temps. Mais, et surtout, ça n'a pas été, après, par la suite, une église, hein, ça n'a pas été une assemblée où enfin, en tout cas, c'est pas dit que les serviteurs ont persévéré dans celui-là. C'était plutôt dans les maisons, mais en tout cas, voilà. Donc, non, mais en tout cas, merci, en tout cas, pour frère, pour ça, parce que c'est vrai que c'est des questionnements où on se pose, on se dit, voilà, les expériences, parce que voilà, on se dit à la fois, voilà, des fois, certains vont se dire, oui, mais vous n'avez pas l'amour, peut-être que voilà, voilà, souvent on dit oui, mais Sébastien, voilà, regarde, tu as plein de choses à faire, voilà, mais regarde, tu as cette vérité-là, si tu restes pas, comment tu peux nous aider, enfin, il y a des choses comme ça qui fait qu'après, comme tu as dit, c'est les émotions, c'est les sentiments humains. Maintenant, voilà, il faut rester vraiment ferme dans la parole. Après, comme tu as dit, hein, c'est vraiment la prière, vraiment que la prière, parce que chacun d'entre nous, je pense que c'est le Seigneur qui s'est révélé. Moi, personnellement, comme je disais à ma femme, bien avant même que je vous rencontre, enfin, que voilà, que je vois aussi, que sur les partages que vous faisiez, moi, le Seigneur m'avait révélé déjà très longtemps et que j'avais beaucoup de questions, mais qui restaient sans réponse. Que voilà, les responsables, le pasteur de là où j'étais ne savaient pas véritablement répondre. Et après aussi, lorsque tu compares ce que la parole de Dieu dit sur ce que c'est que la communion fraternelle, l'édification, ces choses-là le système est très très loin de ça, est très très loin de ça. Là, il y a ma femme qui vient me dire, il y avait une sœur en fait qui était là où on était, qui l'a appelé aussi, elle a appelé, et qu'elle disait, oui, franchement, elle a dit à ma femme, oui, franchement, je comprends, en fait, je comprends pourquoi vous êtes parti, parce qu'honnêtement, c'est vrai que, franchement, on est là, on a des soucis, on a nos problèmes, personne ne sait, voilà, on est là, on se voit que le dimanche matin, voilà, bien costumé, bien habillé, comme ça, tout le monde montre que tout le monde est bien, tout est beau, tout est joli. Mais en fait, voilà, on se rend compte que c'est que des masques, et du coup, on a peur de se confier, parce qu'on se dit, ben voilà, si on se confie à un tel, alors que lui, on voit sa vie, en tout cas, qu'est-ce que l'image qui montre, qui a l'air d'avoir une vie bénie, ben non, je peux pas, pourquoi? Donc du coup, elle expliquait ça à ma femme, et même ma femme me disait, oui, ben tu es proche d'une sœur, en plus vous êtes à côté. Elle m'a dit, ah non, franchement, tu sais, on n'a pas de... Nous, c'est que le dimanche matin, on se côtoie pas, quoi. Donc franchement, même elle me disait, ah, franchement, ça m'attriste vraiment. Et elle m'a dit, ah, franchement, voilà, c'est pas ça, t'avais raison. Je dis, bah oui, c'est malheureusement... c'est ça le système, ce système dénominatif qui, on va dire, qui malheureusement a des apparences... biblique, qui a des apparences qui sont bibliques, mais voilà, Satan c'est le séducteur, c'est l'usurpateur, comme lorsqu'il a tenté Jésus dans Matthieu 4, il n'a pas utilisé des choses qui sont en dehors, qui ce n'est que la parole, et c'est par la parole aussi qu'on combat la séduction, c'est par la parole qu'on combat les œuvres ténébreuses, et uniquement par la parole. Et lui, l'ennemi aussi, il va usurper, il va mettre des choses qui ressemblent à être, voilà. Et du coup, si les personnes, heureusement, ne recherchent pas la vérité, qui n'ont pas cet amour pour la vérité, et qui ne se complaient pas dans leur situation, qui ne se complaient pas dans leur, voilà, bon, ben voilà, je me satisfais, ben malheureusement,
malheureusement, voilà, c'est le résultat. Donc, en tout cas, je rends gloire en tout cas à Dieu, effectivement, ça c'est vraiment un questionnement que je me posais. Et que je vois aussi, il y a des personnes, voilà, que je sais des fois, des personnes, je voyais certaines qui sont pas loin, qui ont quitté, voilà, la dénomination, après qu'on commence à mourir. Ça attire des personnes et après ils se retrouvent dans un compromis de vouloir commencer un peu à louer les choses. Après, effectivement, ça peut être occasionnel. Voilà, il y a des choses que peut-être on peut louer occasionnellement pour pour un moment, etc. Mais lorsque ça devient régulier, après là on commence à se tromper d'objectif et du coup là après les choses, les priorités qui devraient être les âmes, elles changent parce qu'il y a des charges, il y a toutes ces choses qui vont avec et du coup voilà quoi. Donc en tout cas, que mon Seigneur soit béni. Amen. 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 Justement pour appuyer ce que tu es en train de dire, tu sais, on avait déjà eu une fois à se diviser, hein, parce que à un moment donné, on était à Champigny, on se rassemblait à Champigny et on devenait de plus en plus nombreux. On a commencé, on a mis cela en prière, et puis on s'était dit que bon, selon la volonté de Dieu, les bien-aimés qui sont de ce côté, nous allons nous rassembler ici à la maison, d'autres seront à Champigny. Je crois qu'il y avait le frère, je ne sais pas si c'était le frère Jean-Paul ou... Bref, on s'était réparti. Parce qu'on devait... Et ils sont venus pour écouter la parole de Dieu. Demain, je vois que tu as trop poussé ça quand la dernière fois. Et tous se sont retrouvés en tant que frères et sœurs. Tu vois que quand on reste dans le modèle du Seigneur, il y a toutes les barrières là qui tombent. Et on comprend qu'on est réellement à l'intérieur du corps. Le corps va toujours fonctionner normalement tant qu'on reste obéissant à la parole de Dieu. Mais si on sort de la parole de Dieu, les problèmes commencent. Et justement, tu vois, là, si en partant par exemple à Montréal, le frère avait reçu là, bon, peut-être un catholique, si on se retrouvait en face d'un catholique, un évangélique, un apostolique et tout, les problèmes allaient commencer. Parce que chacun allait commencer à dire que, mais voilà, c'est comme ça que nous on fait. C'est comme ça que nous on fait. Nous on a l'habitude de faire ceci. Nous on a l'habitude de faire comme ça. Nous on a l'habitude de faire comme ça. Et quand tu vas leur demander que, mais où est-ce que cela se trouve dans la parole de Dieu, on ne pourra pas te dire. On va commencer les raisonnements. Mais pourtant, si on reste dans la parole de Dieu, de sorte qu'un catholique arrive, il se dit, bon, je vais suivre la parole de Dieu, je cherche la vérité, je ne vais pas en tant que catholique, je vais en tant que quelqu'un qui cherche la vérité, il n'y aura pas de problème. Là, tu vas voir un catholique, un protestant, un évangélique, tel autre, tous vont se présenter là. Si tous cherchent vraiment la vérité, il n'y aura pas de problème. Mais si chacun arrive déjà avec le manteau de sa dénomination dessus, forcément, les problèmes vont commencer. Forcément, les problèmes vont commencer. Les disputes vont commencer. Ça va aller dans tous les sens. Parce que chacun essaie de défendre le manteau de sa dénomination. Et on prend la parole de Dieu, on la met de côté. Donc, c'est vraiment pour nous encourager à rester toujours dans la parole de Dieu. Et si tu te rappelles, je crois la première fois même qu'on avait parlé, je te disais bien que, frère, du côté où tu es là, s'il y a des bien-aimés qui sont de ce côté, n'imagine pas que peut-être le frère Alain ou moi, nous allons nous déplacer pour dire on vient baptiser une personne qui est à Damaris Lévis. Non, c'est faux. Il y a un bien-aimé qui est dans les environs, on va t'appeler
Même si c'est la nuit, on te dit, frère, il y a telle, telle personne, occupe-toi de cette personne. C'est comme ça que l'église fonctionne. C'est comme ça que l'église fonctionne. Donc, là où il se trouve, doit pouvoir jouer le rôle du disciple dans la localité où il se trouve. Et c'est pour ça qu'on doit beaucoup prier, comme je crois que c'est le frère Alain qui priait par rapport à cela, que le Seigneur lui-même envoie les ouvriers à la moisson. Nous devons beaucoup prier pour qu'il y ait vraiment des ouvriers envoyés du Seigneur qui vont être consacrés à l'œuvre du Seigneur, qui auront vraiment ce désir de servir le Seigneur selon sa volonté. Donc, voilà. Amen. 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 Bonsoir, les frères et sœurs. Bonsoir, sœur Ingrid. Bonsoir. Comment tu vas? Bonsoir, sœur Ingrid. Oui, frère. Désolé de mon retard. J'avais fait un petit saut chez ma tante qui a perdu son fils là. Donc, je venais de rentrer. Son quel fils? En fait, il y a ma tante qui a perdu son fils. Il avait le cancer au cerveau. Non, on a découvert ça. Il a eu mal à la tête et on a vu que c'était à un stade avancé qu'il ne pouvait pas rentrer à la maison, on devait l'opérer d'urgence et quand on l'a opéré, il est mort sur place. Donc il avait 25 ans. J'étais à l'université, donc c'est pour ça que je suis allée là-bas. Je venais de rentrer, il n'y a même pas 10 minutes. À peine que je suis rentrée, je suis tombée directement. Je marchais en priant pour ne pas rater. Elle est convaincue? Oh non! Ma famille n'a pas les enfants de ma mère et. Ma mère et tous ses enfants, le reste là, chacun va voir de son côté. Ils disent qu'ils sont catholiques, d'autres disent qu'ils sont protestants, mais bon.